Yo les gars, c'est Monsieur Tchaoufut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le mec. Vidéo avec Side Gamings, les gars, donc merci à lui d'être là. Donc salut Mouva. Bonsoir. Ouais, donc les gars, ça va être une vidéo originale. Donc à deux en double facecam, sans vous voyez la tête du beau gosse Side Gamings, les gars. Donc les gars, tout simplement, ça va être une vidéo. Vas-y, explique le concept Side Gamings. Alors ça va être, comme je l'ai dit dans mon intro, une petite devine mon équipe, c'est-à-dire qu'il va me dicter des consignes que je vais devoir appliquer pour trouver un de ces joueurs. Et tout se passe dans ma petite tête, voilà. Voilà les mecs, donc Side Gamings, de toute façon tu connais un peu en foot de toute façon. Je m'y connais plus en ping-pong on va dire, mais en foot ça va aussi. Donc sur les 11 joueurs, il va essayer de deviner la max de points. Donc lui, il aura des points affichés en bas et voilà. Donc vas-y, on commence. Putain, je me suis fait mal. On commence. Ouais. En tout cas les gars, ouais, la scène de Side Gamings sera en description. Donc si vous voulez voir, c'est gratuit. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça ferait plaisir. Donc vas-y. C'est très très gratuit en plus. Ouais, c'est très gratuit. C'est tout fait. Voilà. Il fait du très bon contenu. Il a 3000 abonnés, donc ça fait super plaisir de faire une vidéo avec lui. Donc on commence par le goal. Allez-y, Mister Ciao. Je vous écoute. Alors le goal. Alléluia. Parce que c'est facile, je vous dis, si on dit c'est facile déjà. Je vais c'est te dire, très très facile. Je vais te dire ancien joueur, expérimenté au goal. Ça dit quelque chose d'abord là ou pas vite fait quand je te dis ça? Non. Non, pas du tout. Expérimenté, ancien. Non. Italien. Allez, italien, c'est sûr que tu cherches, tu trouves. Bip. Gianluigi Buffon. Ah, tu verras, Hiro. Tu verras, je te dirai à la fin. Je pense pas que ce soit ça, mais c'est pas grave. Donc, vas-y, tu. Je vais te dire. Grosse tête. Et blessé longtemps. Première ligue. À 85 ou 86. Il est vieux. Il est métissé. 3 hours later. C'est pas compagnie. Ouais, peut-être. Grosse tête. C'est qui on dirait? C'est qui on dirait compagnie? Non. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Si tu trouves pas, je te donne deux indices là, je peux rien faire pour toi. Si tu trouves pas, grosse touffe, ancien joueur de Ligue 1. Alors c'est le petit David. Le te dire Barcelone. Il joue pas à Barcelone, mais je vais te dire contre Barcelone, but du milieu de terrain. L'année dernière en Ligue des Champions. Contre Barcelone. Ouais, l'année dernière. Hein, pas cette année. Et il a marqué un but du milieu de terrain. Ouais. Je sais pas du tout, je passe. Si c'est pas du tout. Alors, on va te dire quoi? Allez, on va te dire. Allez, on va t'aider. Première ligue. Bon tireur de coup franc. Ouais. Ça te dit rien? Et il est parti ou pas? Non, non. Non là, ça, j'aurais dit le petit paillette. Non, non, du coup, latéral gauche. Hein, latéral gauche. Ah, latéral gauche, ok, merde. Complètement zappé. Bon. Je passe aussi parce que je suis nul un peu. Attends, qu'est-ce que je peux te dire comme indice? Juste la nationalité pour voir. Anglais. Ne serait-ce pas Walker? T'as dit quoi? Walker. Non, c'est vraiment un latéral gauche. Hein, genre, j'ai pas triché sur les postes. Perdu. Vas-y. Suivant. Suivant les gars. Et là, ça commence à venir. Ça commence à venir. Bon, c'était déjà dur, je sais pas ce qu'il m'a fait encore là, mais vas-y. Et je t'ai fait. Penalty raté.
Oh, arrête. Penalty raté. En MC. Penalty raté Ligue des Champions cette semaine. Il y a eu deux penalty ratés. J'ai même pas regardé la Ligue des Champions cette semaine. Ah, c'est quelle équipe? C'est Monaco. Vas-y, c'est quelle équipe? Monaco. Ben, il y a qui à Monaco? Il y a pas Joao Moutinho en MC? Si, il y a lui, mais il y a pas que lui. Il y a... Comment il s'appelle, le fils de pute, là? Non, je rigole. Calmez-vous. Je te dis aucun idée, là, je pense que t'es trouvé direct. Franchement, je sais pas, hein. Moi, j'ai pas regardé la Ligue des Champions. Hein. Merde. Bah, je te dis Monaco. Et franchement, je t'ai dit Monaco, après, ouais, au MC. Vas-y. Ça peut être MC ou MDC, hein. Enfin, fin de sombre, hein, MC. Bon, allez, si tu suis un peu FIFA, alors, allez, on va dire si... Si d'abord il y a les champions, mais tu sais un peu FIFA, il a eu une carte homme du match il n'y a pas longtemps. Allez, ouais, là, je suis désolé, gros, mais. Là, les gars, je peux pas l'aider, là, je fais mon connard, j'ai une. Allez, technique, ancien joueur du Barça, Bayern Munich. Il joue au Bayern Munich, c'est un ancien joueur du Barça, il est technique. Un ancien joueur du Barça. Il joue au Bayern. Il est technique. Il n'y a pas plusieurs joueurs du Bayern qui étaient au Barça. Et c'est un quoi? Tu vas trouver direct. Moi je le dis parce qu'il galère. C'est un MC. C'est un espagnol. Il peut être MC ou MOC, ouais. Enfin, MC ou MOC, mais surtout ouais, MC plutôt. Alors là, attends. Non, mec, MC, espagnol. MC espagnol qui jouait au Barça et qui est au Bayern. Ouais, mais y en a, je crois que. Attends, je sais pas si j'ai de la merde, les gars, mais je crois que c'est le seul qui était au Barça et qui est au Bayern. Si je suis bien. Franchement, je vois personne d'autre. Technique, mec, pense à un joueur 5 étoiles au Bayern. C'est pas difficile, c'est le seul au Bayern. Douglas. Ah non, c'est pas le seul. Un MC, excuse. Il y a oui, il y a Douglas, 5 étoiles. C'est qui alors? C'est ça, j'arrive pas. Bah, je suis un MC. C'est un espagnol. C'est un espagnol, gros. Ouais, un espagnol MC. Eh, hey, gros, j'ai quand tu vas voir le je vais aller chercher, je suis sur la play tu là. Tu vas te taper toi-même. Bah, ouais, sale bâtard, même. Au montage, tu vas te taper toi-même, gros. Ouais, attends, laisse-moi réfléchir. Tu m'as dit espagnol. Après, tu m'as dit, le mec, il joue au Bayern. Ouais, il est au Bayern et c'est un ancien joueur du Barça. Mais il a jamais joué au Barça, Thiago Alcantara. Bah, si, il a joué au Barça, gros. T'es il sûr? Juste avant au Barça. C'est bon, t'as trouvé, on l'a trouvé, okay, les gars, on l'a bien aidé, on l'a très très bien aidé. Ok, bah c'est Thiago, c'est obligé, c'est lui. Ouais, c'est Thiago, les gars, je pense que mon légende. Pour moi, c'est une légende, les gars. Pour moi, c'est clairement une légende. On va dire Première Ligue. Légende. Il est encore Première Ligue. Hein. Première Ligue, légende. Wayne Rooney, ça, c'est obligé. T'as dit quoi? C'est Rooney. Rooney. Ouais, c'est ça. Eh, mais c'est trop facile. Donnez-moi un peu de... Je rigole. Non, je rigole. Donne-moi des joueurs comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Regardez, les gars, on va bien enculer. T'as pas regardé la première... T'as pas regardé la Ligue des Champions? Ok. Alors, on va te dire sodomie, Barça. Higuain, Dybala, ou alors... Attends. Non, moi, je dis Higuain. Ok, il a dit Higuain. Le bâtard, c'est Dybala, non? C'est pas trop des tard. Comme ça? Trop tard, t'as dit Higuain. Ah putain, trop tard. Ok, il a, vas-y, il c'est il bon. A doublé. Attends, parce que t'as un enfoiré avec moi. Coutinho. Ouais, c'est ça, Coutinho. Fait cheater, ultra cheater. Toutes les baies, pratiquement tous les fils de pute. Excusez-moi, les gars, si vous l'utilisez. Pratiquement, enfin tous les. Tu vas avoir que des dislikes. Oh, moi je coupe ça, moi je mets pas ton truc dans le. Déjà, moi je dis fils de pute à chaque fois. Ah, vas-y. C'est un gros, enfin, les gars, voilà, même si vous utilisez, voilà, on va dire, ouais, même quand tu utilises Moussa, c'est un gros truc de fils de pute. Voilà, donc c'est un joueur cheaté. En...
Et il s'appelle Inaki Williams. Ah, putain, les gars, voilà, bien joué. Donc, en gros, là, online, on va compter. Parce que moi aussi, je l'utilise. Va te faire enculer par ton cheval, mon pote. Les gars, malheureusement, je me suis fait baiser. Mais franchement, c'était plus facile aussi. Je l'ai aidé de partout. Je l'ai aidé de partout. Continuons, j'ai dû c'est pas dire grave. Qu'il joue à les gars, attends, laisse-moi parler. S'il te plaît, là, tu m'as soufflé. Non, je rigole. En fait, si tu veux un nouvel épisode, tu mets 50 likes sur ma vidéo. Et toi, je vais te fixer un objectif de 30 likes. Donc, non, vas-y. Les gars, vous savez quoi, juste pour faire parler Saga MX, vous mettez beaucoup les 50 likes, les gars, donc je compte sur vous, les gars, je vous demande toujours 30 likes. Ok, 50 likes pour vous et 75 likes pour moi et 50 likes pour toi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous voulez un autre épisode, vous remplissez cet objectif de like et on fera un autre épisode. Là, c'est moi qui vais devoir faire l'équipe concept. Et vas-y, je te laisse le petit mot de fin pour ma chaîne. Comment je dis toujours à la fin de mes vidéos, peace les gens. Ciao.